Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur des combats auxquels j'ai assisté, qui étaient vraiment très très durs, à Brzeczko en août 1992. Je ne suis pas resté très très longtemps à Brzeczko puisque je suis resté moins de 24 heures. Mais j'ai failli vraiment y laisser ma peau. Слушай, тамо не ідь, тамо, я шишаю он. Тамо не. Окей. Стань мало. Гладь, они ту вуку, не мерем. Толку упчу, видиш. Ага. Иван, полако, пređи. Пređи, само стани на овој, овде, овој дио. Па ќе ти нас покрива, па ќе ми притрчат. Шта стани? Стани, стани, стани. Стани, 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 овде. Come here. Brzeczko, à ce moment-là, était divisé en deux. D'un côté, les milices croato-bosniaques, de l'autre, les Serbes. J'étais du côté serbe. J'ai eu une chance vraiment extraordinaire. C'était vraiment pas mon jour. Je tombe dans un trou. À ce moment-là, une balle siffle à quelques centimètres de ma tête. J'échappe à un sniper. Je ne serais pas tombé dans ce trou, je ne vous parlerai pas actuellement. Ma caméra a tout enregistré. Le sifflement de la balle, moi qui tombe, tout. Un peu plus loin, des zones se reposent. Des coups de feu, un blessé est extrait de son poste de combat. C'est un Français. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est?
Dođi vas. Dajte, cijele ljudi. Idemo svi, idemo svi. Zato cijele, treba se izvući. Znam ja to, znam. Cijele, cijele mrte, ja ga sad izvuk. Zato bi zvijet cijele sad. Krtina. Pogino, sad. Da. Da. Une ambulance arrive. Le sniper qui m'avait loupé tire sur l'ambulance. Nous allons vers des postes avancés. En face de moi, les lignes croato-bosniaques. Tout est détruit, absolument tout. Les maisons sont calcinées. Plus rien ne tient debout. Evo idemo, krećemo. Imamo ranjenog čovjeka. Upucan, ajte ovamo. Ajte ovamo. Ne, ne, šta? Čudi da slika. Combattant dans un coin, regarde des photos. Des photos d'une famille. C'est fini. Où est cette famille? Nul ne sait. La guerre. La guerre règne sur Brzeczko. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.